cœur à prendre, Diane Ler a-t-elle trouvé l'amour? L'ancienne Miss France officie actuellement au micro du Morning Sans Filtre. Aux côtés de Guillaume Janton et de Fabien Delettre, elle n'hésite pas à commenter l'actualité, mais également à lâcher quelques indiscrétions sur sa vie privée. Ainsi, ce lundi 6 février 2023, elle a avoué à ses deux acolytes qu'elle avait une grande annonce à leur faire. Il est beau, il est musclé. De quoi s'agit-il? Diane Ler ne tarde pas à lever le voile sur la question. Ainsi, elle a confié à ses petits camarades, « J'ai rencontré un homme ». Bien évidemment, la jolie brune n'a pas manqué d'en dire davantage sur cet homme. Il est beau, il est musclé et il nettoie super bien, lâche-t-elle. L'homme de ses rêves? Mais qui est-il donc? Diane Ler ne tarde pas à révéler son identité, c'est Monsieur Propre. On a passé un super week-end ensemble. On a nettoyé mon appart de fond en comble. Franchement, ça marche super bien ce produit. Je vous le conseille. Nul doute que les auditeurs suivront son conseil. Vous l'aurez compris, si Diane Ler ne s'est visiblement pas ennuyée du week-end, elle est toujours un cœur à prendre. Quand Diane Ler évoque sa vie sentimentale il y a quelques jours, c'est encore une fois au micro du Morning Sans Filtre qu'elle a évoqué sa vie amoureuse. Je ne suis pas célibataire pour rien. C'est vraiment problématique les amours. Je l'assume, que le cœur va très mal, avouait-elle à ses collègues. Et de dévoiler au passage une particularité physique qu'elle aime chez les hommes, j'adore les hommes poivre et sel. Donc les cheveux grisonnants, je trouve que ça a un côté rassurant. Je trouve ça hyper sexy, parce que je trouve que les hommes, plus ils sont âgés, plus ils sont beaux. Diane Ler @docteur malheureusement, Miss France 2022 doit faire face à des commentaires déplacés de la part des internautes. Mais pas question de se laisser faire. Non, la jolie brune n'hésite pas à répondre à ses détracteurs. Il y a quelques jours, elle a ainsi répondu à un internaute qui lui avait envoyé le message suivant, « Trouve-toi un mari Diane s'il te plaît. » Autant dire que Diane Ler n'avait pas manqué de lui répondre. « On m'a mis une pression pour me marier aussi. » Le « s'il te plaît » ça me tue de rire. J'ai l'impression de faire une faveur en me mariant, comme si c'était insupportable que je sois seul ou alors ça me rendrait plus sympathique de l'être, a-t-elle ainsi lâché. Mais si elle doit faire face à quelques commentaires désobligeants, Diane Ler peut également compter sur le soutien de ses nombreux fans, qui n'hésitent pas à lui envoyer régulièrement des messages bienveillants. De quoi lui réchauffer le cœur.